là, on va faire la première partie de Pic de la Révolte, après pour y retourner plus tard pour faire beaucoup plus de défis. Ça ressort quand même la reine de Tales of Vesperia. Ah oui, donc là, vous voyez que s'il y a une grosse boîte de Dalios, c'est qu'il y a des choses à dire. Hein. Alors, c'est que Dieu... Ok. Ça, les ennemis là, vous devez un peu les connaître. C'est pas des... Mettez pas des ennemis trop durs. Et ici, il y a des ennemis qui viennent un peu de n'importe où ici. Sometimes I can't help but regret the past. Asbel. Why didn't... Donc maintenant, on a plus que 4 combats. Alors cette fois-ci, on a, ouais, on a des bouffons. En ouais, ça fait un peu longtemps que j'ai pas rejoué. Je regarde un peu les faiblesses. Parce que en ce moment je suis un peu sur d'autres projets en fait. Donc ici il y a un projet sur Borderlands 2 qu'on va commencer. Que je vais commencer surtout avec quelques potes. Et aussi projet de speedrun également. Je fais en live aussi. Que j'ai pas encore fini de faire toutes les notes. Et aussi sans oublier que Arteas, c'est ce qui me semblait. Bon mal. Sans oublier également de continuer du coup précise, j'allais dire Xillia, parce que les éditions collector de Xillia ont été confirmées. Et que je me suis pris comme ma petite édition collector avec la petite statuette de Milia. Alors attention, parce que dans les magasins, je crois pas qu'on peut commander la collector avec la statuette. Il y a une collector à 60€ et une collector à 100€. Ouais, donc celle à 100€, c'est avec la statuette. Hein. C'est un peu le... Mais bon, c'est quand même une belle statuette. C'est pas... Je crois que c'est du PVC, il me semble. Mais faire très attention si vous réservez en magasin. Donc je vous conseille de vous tenir informé, donc demandez à votre magasin de jeu. Et en parlant de Xillia, je le ferai pas en... Je veux pas directement chez moi. Je sais pas si je le ferai d'abord. En tout cas, je le ferai pas en live. Parce que je préfère pour des jeux que je connais. Ça va, Grécis, bon, j'ai bien tout le compte du 4 dedans. C'est ça que je vous le fais en fait. Après, peut-être que si j'aurai une reconnexion internet, je pourrais peut-être streamer de Xillia, pas les vidéos sur YouTube. Sometimes I can't see the value in fighting. Hubert. There's no problem. Voilà, mais ce sera juste pour apprendre à connaître le jeu. Donc je verrai en attendant si Xillia va me plaire ou pas. So, we meet again. You've got guts, mama's boy. I'll give you that. Oh, and we brought your little spy friend so she can watch us thrash you. Try not to die too quickly now. That would be such a bore. Are you finished? If this was a battle of grandstanding, I'd have surrendered my dual blades long ago. Time to die. Donc on va garder le même groupe et on va les revoir. Donc du coup, ok, donc il y en a de chaque côté. The best from on va les buter. Ah bah c'est nickel. Alors, est-ce qu'on va voir des DOG de qualité? On a toujours pas vu celui de Chiria, hein, pourtant. Bon, j'avais vu une fois en vidéo. Bah, du coup, j'étais pas parce que. Bah, c'était en phase de level up. J'ai pas envie de tout le temps non plus.
Et il n'y a plus que le capitaine. Hein. Bon là, on va l'exploser, tranquille, la paix, la famille, ouais. Ouais, là, je l'expose assez bien. Voilà, tranquille. Ok, niveau de potentiel, donc nouveau livre. Il va falloir que je vois s'il est bien ou pas. Impossible! How did you beat me? We should be on our way. Although, come to think of it, we never did decide on our half of the wager. Well then, as the victor, I demand you release the prisoner. Miss, you're free to go. Perhaps you would care to accompany us. You can't have her! Stand down. It is forbidden to draw your weapon after a match has been settled. If you do... It's too late now. You! I've never seen anyone move so fast. Who is that? That is the Guardian of Riot Peak. All who come here dream of one day facing him in single combat. Our opponent broke the rules and thus was punished. As long as we obey the laws of this place, we have nothing to fear. Many thanks. I'm sorry you went to so much trouble on my behalf. No apologies are required. However, we must now get to Fendel as quickly as possible. Of course. When you're ready, come see me by the Fendel boarding point. Mais disons qu'on va pas directement y aller directement. Aller prendre le bateau tout de suite. Parce qu'on a encore 3 scénettes avant. What is it, Asbel? I was wondering if maybe we could get that guy in black to help with our mission. Doubtful. You seem sure. Some time ago, Strata made covert inquiries into that very idea. But the Guardians are judges who have proven themselves the strongest warriors of Riot Peak. Apparently, they will leave this place only if they are defeated in battle. Wait, did you say they? Yes. We heard there are 3 Guardians. Wow. Really? It's a conundrum. To earn their help, you must defeat them in combat. But if you had such power, you wouldn't need their help in the first place. Huh. Then that settles it. I'm gonna defeat the Guardians myself one day. Defeat the judges? I can't imagine how long you would need to train. But in the meantime, I'd be happy to assist with your daily regimen. Oui, donc du coup, pour affronter les gardiens, bon, on va les affronter. Ce sera beaucoup plus tard. Alors, juste avant... Ah, il me semblait qu'on peut y aller là. Bon, ah si, un coffre. J'avais oublié du vin rouge. Sauf que je ne peux pas prendre... On comprendra plus tard. Ah oui, du coup, le guide. J'avais un peu oublié ce guide. Alors, qu'est-ce que c'était exactement? Le potentiel, je le mettrai plus tard, surtout. Surtout, il y en a un, c'est la 7T. Ça qui permet de faire forcément de plats. J'ai galère à recréer le nom juste à l'écran quand même. Mais le truc, c'est qu'il faut un emplacement pour mettre le livre et 2 emplacements pour la cuisine. Donc ça fait quand même 3 emplacements. Bon, après, ça fait bien augmenter le niveau des lettres. Ça, je vous dis pas le contraire. Donc oui, on va monter à... Ah non, non, quoi que j'oublie un truc. On va aller d'abord retourner. Voilà. On va aller retourner à You Liberté. Parce que j'allais... On peut faire quelque chose maintenant. Et on se retrouve à You Liberté. Voilà, donc une petite coupure supplémentaire. Donc nous revoilà donc à You Liberté juste devant le manoir Oswell. Parce qu'il y a une petite scène en fait qu'on peut avoir... Et qui débloque en fait une quête annexe. Donc cette scène là en fait on peut la louper déjà une chose. Il y a les disponibles bah, à partir dès qu'on a fini les événements du monde du pic de la révolte.
Bon, par contre, je sais plus jusqu'à quand elle est plus disponible, mais en tout cas, vous pouvez la louper. Et ça, c'est sûr. Parce que j'ai loupé pas mal de quêtes à ma première partie, quand même. Bon, après, c'est pas tellement grave, puisque vous pouvez les revoir en New Game Plus, sachant que je suis en New Game Plus. Bah, techniquement, je suis en New Game Plus, parce que j'ai pris quelques petits bonus. Mais je me suis... j'ai pris très peu de bonus, hein, donc. Au final, j'ai même pas pris d'XP x2. Et ni de points de compétence x2. Donc, un petit objet à prendre. Ouais, donc des lunettes de plongée. Et il y a rien d'autre, ok. Et maintenant, on va aller se retrouver donc au pic de la révolte. Pour aller prendre le bateau. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, nous revoilà au pic de la révolte. Et cette fois-ci, donc, on va aller au port de Velaknik, qui sera le troisième continent et le dernier. Mais ça veut pas dire que c'est le troisième continent, que ça va être la fin du jeu. Eh oui, mec. Bon, on a fait une bonne partie du jeu. If you're ready, I'm happy to escort you to Fendel. We appreciate the help. Riot Peak. A place where skilled fighters test their mettle and aspire to new heights. What's wrong, Asbel? Huh? Oh, nothing. I'm fine. Let's go. So you can use the light too, huh? Yes. It happened only recently. I have many questions. Such as, why does it only affect you, me, and Sharia? One day I must research the cause of this phenomenon. Always thinking ahead. You never fail to impress. Well, lately I've also been thinking about him. Captain Malik? Come on. You can't suspect him, too. He's been at the Knight Academy forever. I've known him since I was a boy. His fighting style is unique. I would very much like to know where he learned it. Asbel? Pascal is feeling sick. She's sick? Hang in there, Pascal. Oh, I'm totally gonna paint the deck here! Are you alright, Pascal? Do you get seasick easily? She's not seasick. She just ate an entire bunch of bananas. Oh, man! All that wasted potassium! This is disgusting. Okay, I think I'm done whorfing for a while. Is Captain Malik sick too? What's wrong? Did it gross you out? Or are you so sick you can't talk? Just reflecting on the past. Ooh, tell me! I don't know anything about you, you know? You must have done something before you were a sword-fighting guy, right? Sorry, Pascal. I'd like to be left alone, if you don't mind. Okay. Jeez, what a grump. Don't bother trying to cheer him up. I wonder what's wrong. What exactly are you hiding, Captain?